Les propriétaires de chiens ont conduit leurs fidèles compagnons à cet hôpital-école vétérinaire taïwanais pour donner leur sang. Pas le leur, non, mais celui de leur chien. Mais attention, cela ne s'adresse pas à n'importe quel cabot. Il faut avoir entre 1 et 8 ans, peser plus de 20 kilos et être à jour de ses vaccinations. Bien sûr, plus on peut sauver de chiens, mieux c'est. C'est comme quand les gens donnent leur sang, on ne sait pas qui on va sauver, mais on veut le faire. Les chiens sont comme ça aussi. Le fait de stocker aussi leur sang est plus difficile. Je pense que c'est plutôt bien de vouloir accomplir cette tâche difficile en faisant confiance à cette institution. Elle comprend aussi probablement qu'elle a sauvé beaucoup de chiens. À l'heure actuelle, la plupart des chiens inscrits dans ce programme appartiennent à des étudiants vétérinaires. Tsai Yi Lun, qui est professeure assistante, dirige ce programme. Elle s'est inspirée d'une initiative similaire développée à Bangkok. Si vous avez un besoin urgent d'une transfusion, je ne peux pas garantir qu'une solution sera trouvée immédiatement, ni si le chien donneur est en bonne santé et susceptible de donner son sang. Sous ce type de circonstances, il est parfois impossible de faire un traitement à base de dons du sang, en tout cas pas dans les temps, parce que les transfusions sanguines ne sont pas une façon de traiter une maladie, elles prolongent plutôt la fenêtre de traitement. Le sang peut être stocké pendant 35 jours et les globules rouges peuvent être concentrés pendant 20 jours, alors que le plasma peut être, lui, préservé pendant une année. La phase de test est pratiquement terminée. L'initiative pourrait être étendue aux chats.